Bonjour, voici les tirages de la mi-juillet. Comme à mon habitude, je vais détailler le premier tirage dans quelques minutes. Et s'il vous parle, vous pourrez acheter la deuxième partie dans laquelle je développe les détails de la situation. Un très grand merci à vous qui, en achetant l'extension du tirage, participez ainsi au financement de mes projets pour la chaîne. Pour les créatrices telles que moi, votre soutien est primordial pour me permettre de continuer à proposer un contenu de qualité. Donc un très grand merci pour toutes vos marques de soutien, elles me font toutes immensément plaisir. Merci à vous pour votre écoute attentive, pour votre bienveillance. Allons voir ce que les cartes ont à dire à présent. Voici donc la première partie de votre tirage de la mi-juillet. Ami Scorpion. Au sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le duel du dragon et la prêtresse de l'autel. Mais je vais d'abord vous parler d'une configuration spécifique qui est ici. La justice et le pape. Et ça m'a frappé d'emblée, et je suis quand même allée vérifier avant de poursuivre ce tirage, parce que j'avais eu cette configuration hier, mais je ne me rappelais plus quel signe. D'ailleurs, je pensais vous dire les cancers, et j'allais vous dire, bon, bah, les signes d'eau, manifestement, il se passe quelque chose. Et en fait, non, c'est les béliers. C'est les béliers qui ont cette configuration, c'est-à-dire que leur troisième position ici, ils ont aussi la justice et le pape. Ici, ils ont la tour. C'est-à-dire que la guérison vient soudainement, la solution vient soudainement, la solution de la situation est en tout cas un électrochoc. Donc, je vous le précise, les tirages, alors certaines personnes vont plutôt regarder leur signe solaire, d'autres vont plutôt regarder leur ascendant. Moi, je sais que j'ai tendance à regarder mon ascendant. Et parfois, quand mon ascendant me laisse un peu sur ma faim, je vais voir le solaire, mais je ne le regarde pas systématiquement. Donc, si vous êtes dans la même démarche que moi, et que Bélier, ça vous parle, c'est, on va dire, une position forte, par exemple, chez vous, allez jeter un coup d'œil à l'autre tirage. Il vous parlera peut-être plus que celui-là, ou il recoupera des informations de celui-là. Toujours est-il que c'est un excellent tirage qui souligne que le duel des dragons, vous êtes face à un choix. Et j'ai envie de dire, le choix est fait. Mais il y a sans doute encore de l'appréhension. Vous êtes sans doute encore dans la phase de « je commence demain ». On a la reine de pentacle, le fou et le chevalier de bâton. C'est-à-dire, vous voulez prendre un nouveau départ. Vous savez pourquoi vous voulez le prendre, mais vous savez aussi que ça va être difficile, ce 5 de bâton ici. Fou, 5 de bâton, justice. Il va falloir vous battre. On a un embryon d'axe en plus, on a le fou, on a la roue. Parce que le duel des dragons, vous savez le jugement. Vous savez que le moment est venu de faire un choix et d'en faire un choix clair. Restez sur cet esprit-là. Il n'y a pas de choix meilleur que l'autre. Alors, cette carte est intéressante parce qu'elle vous dit d'emblée qu'il n'y a pas un choix meilleur que l'autre. Il y a simplement que nous sommes tous des individus différents. Et quand nous parvenons à un certain point où il y a différents embranchements, il y a différentes routes que nous pouvons prendre, bien, vous allez... Je vais un peu mettre tous les scorpions dans le même tas, mais je veux dire, les scorpions vont prendre telle route, là, ici, devant. Et puis moi, peut-être en emmenant avec moi les autres vierges, hein, ou les ascendants vierges comme moi, je vais préférer cette route qui part par là-bas. Et puis un autre signe va préférer telle autre route. Le duel des dragons ne fait pas un jugement de valeur sur vos choix. Il dit simplement que chacun de nous a un bon et un mauvais dragon. C'est-à-dire qu'on a un dragon en nous qui nous propulse, qui nous accompagne dans la spirale ascendante, et on a des dragons en nous que si nous les nourrissons, ils vont nous attraper le pied et puis ils vont nous emmener dans une spirale descendante. Et que c'est à vous de faire votre choix. Est-ce que vous voulez nourrir le bon dragon, celui qui vous fait progresser vers le haut, ou est-ce que vous voulez nourrir le mauvais dragon, celui qui vous entraîne vers le bas? Pour moi, votre choix est fait, hein, c'est le bon dragon. C'est bon dragon, hein. Chevalier bâton qui est impératrice et pape, je vais vous en parler dans quelques minutes. C'est le bon dragon que vous voulez nourrir. Et la prêtresse de l'autel le pense aussi. C'est quelque chose pour lequel vous vous êtes préparé, c'est une lutte pour laquelle vous vous êtes préparé. Et
Malgré les difficultés, malgré qu'il va falloir affronter l'obscurité, pensez toujours yin-yang. C'est le symbole du yin et du yang. Parce qu'il y a toujours de la lumière dans l'obscurité. Et il y a toujours de l'obscurité dans la lumière. Le bon et le mauvais dragon. Parfois, c'est dur de savoir quel est le bon dragon dans une situation. Continuez de vous concentrer sur ce que vous estimez être le bon dragon, être les bons choix. C'est là que vous gagnerez cette bataille, parce que c'est une bataille que vous devez gagner en vous, pour vous. Et vous en avez conscience. Reine de Pentacle, fou, chevalier de bâton. Alors, au dos, on avait le 9 d'épée. Pour vous, il s'agit de laisser derrière vous vos peurs et d'aborder l'avenir. Il s'agit de cette créativité. Il s'agit de ce 9 de Pentacle ici. Votre épanouissement, votre réalisation. 9 de Pentacle, 5 de bâton, impératrice. Cette reine de Pentacle, elle sait parfaitement qu'il va falloir faire preuve de créativité, qu'il va falloir batailler sur tous les points, sur tous les plans, pour que ça marche. 9 et 5, 14. 5 et 3, 8. Tempérance, force. Empereur, lune. Il va falloir affronter la situation. 5 de bâton. La prêtresse de l'hôtel, elle me dit que vous êtes prêt. Que vous êtes préparé. La prêtresse de l'hôtel, c'est quelqu'un qui s'est préparé pour le grand moment. L'étoile ici, hein, n'oubliez pas que les oracles que j'utilise en fin de tirage sont du même auteur. C'est Colette Baron-Reed. Donc dès que vous voyez une étoile chez Colette Baron-Reed, c'est une opportunité. C'est un trésor. C'est vos rêves, c'est les étoiles. Vous êtes préparé pour ça. Vous êtes prêt pour cette bataille. Et c'est pour ça qu'ici, on a la roue, la justice et le pape. Et qu'au dos, on a le 10 de bâton. Parce que vous êtes prêt pour le changement. Parce que la guérison viendra avec le changement. Parce que la fin de la lutte viendra avec ce changement. Ici, ça nous décompose 15. 10, 5, 15. Et la justice, elle vient garantir que cette décomposition, c'est le fait que vous ne serez plus bloqué dans un schéma. Ça signifie que dorénavant, l'énergie de 15 dans votre vie, c'est un changement assorti de nouvelles promesses et d'une guérison. Vous êtes prêt pour ce combat. C'est ce que viennent me dire les cartes d'oracle. Pour ceux d'entre vous qui vous dites, même si j'ai peur, je vais me lancer, je vais le faire, je vais tenter cette aventure, je sais que... Nourrissez ça, je sais que j'en suis capable, j'ai la créativité nécessaire, c'est ce que je veux accomplir. Faites appel à ce qu'il y a de meilleur en vous, parce que vous êtes prêt, et que le moment où cette roue tourne, il est sans doute là sur vous. Regardez autour de vous pour voir les opportunités, pour voir ce truc que vous avez besoin. Parce que souvent, le changement, c'est une conjonction de choses. C'est vous qui êtes prêt, prêtresse de l'hôtel, qui avait mobilisé toute votre créativité, toute votre combativité, toutes les qualités dont vous disposez déjà, tout l'équilibre dont vous disposez déjà. C'est vous au bon endroit, au bon moment, en étant la bonne personne, et parfois accompagné des bonnes personnes. Vous êtes prêt. Regardez en direction du changement, parce que c'est là que se trouve la solution. On va voir ce qui sort par ailleurs pour le tirage, ça nous renvoie à l'autre, parce que le tirage du bélier, autre particularité, on avait démarré avec deux coupes et amants. C'est pour ça que la tour et puis justice et pape, c'était clairement un tirage de relation. Vous, ici, ça parle d'un combat en vous, de quelque chose qui doit guérir en vous, de quelque chose, d'un changement qui vous sera bénéfique. En tout premier lieu à vous. On va voir si dans la deuxième partie, ça vous relie, c'est un changement qui va affecter les autres. Mais dans un premier temps, c'est de vous qu'il est question ici. De votre résilience à vous. Et s'il y a bien un signe qui est capable de résilience, c'est les scorpions. Il y a Pluton hein, qui était sur la pleine lune. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo, allez voir. Pluton était conjoint à la pleine lune. Donc... qu'est-ce qui doit guérir en vous et qui doit vous permettre d'être encore meilleur?
C'est-à-dire d'être plus vous-même, d'être plus authentique, d'être plus aligné avec ce que vous êtes. Bon, on va voir la deuxième partie. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Lion, l'extension va suivre, puisque nous allons entrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, parfois c'est votre ascendant qui prévaut. Tout dépend de votre évolution personnelle. Donc vous le savez, vous pouvez choisir d'acheter cette extension. Ce faisant, eh bien, vous me garantissez une source de revenus, et plus celle-ci sera stable, et plus je pourrai m'investir dans de nouveaux projets de vidéo l'esprit tranquille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À vous de décider du soutien que vous voulez m'apporter à mon travail. Vous pouvez acheter l'extension, mettre un pouce bleu sur cette vidéo, la partager autour de vous ou encore rédiger un commentaire. Prenez grand soin de vous et faites-vous confiance quoi qu'il arrive. Au revoir.